J'ai mal partout. Mais déjà, moi, Splasher, là, quand je joue pas un ou deux jours, je suis là, OMG. C'est comment qu'on joue, déjà? Genre, je suis tellement conditionné pour y jouer tout le temps, tu sais. J'y joue pas une fois, je suis là, merde. Non, il y a quand même des jours où j'y joue pas. Souvent, ouais, souvent le samedi, je joue pas. Mais j'ai instant mort. Ouais, je me demande ce que je vaudrais en race quand même. J'ai jamais race sur Splasher. Bon, à mon avis, je ferais sub 40. J'espère quand même faire du sub 42, genre constant. Mais j'en sais rien en vrai. Genre, une contre-perf sur Splasher, c'est facile à faire, n'empêche, c'est ouf. Hein. A mon avis, ça me frustrerait de faire des mauvais débuts, un truc de ouf. Genre, je serais trop là, putain, mais... Je veux reset, là. Eh, tu sais que dans mon PB, le Z, il est tellement parfait, putain. Ah non, c'est de mon ancien PB. Ah, c'est peut-être mon ancien, parce que là, je gagne beaucoup de temps. Je me souviens plus. C'est peut-être l'ancien PB, ouais. Tel Zoro, je passe entre les plateformes. Parce que c'est bien connu que Zoro fait ça. Moi, je travaille pas tant que ça, je jure, je finis mes runs quand même. Enfin, ça va, je jure. Même quand je sais, genre là, avant le 18, je me dis, bah go, je finis quoi. À partir du... Ouais, à partir du 15 quand même, j'aime finir mes runs, mais... J'aime bien nos resets des fois, mais... C'est vrai qu'avant le 14, putain, j'ai du mal. Je pense que le niveau 14, en vrai, c'est le niveau que j'ai le moins train au monde. Genre de loin. Hein. Je le fais jamais, le niveau 14. En entraînement ou en run. Mes runs s'arrêtent au 14, souvent. Moi, je finis le 13 et j'arrête. Et genre, ouais, le 14, je le train pas, quoi. Il est juste trop chiant. Je meurs pas, c'est bon. Hop là, on se casse. Parce que, à mon avis, le train, je pourrais être plus rapide, mais bon... C'est sérieux là? Oh là là, putain, mais c'était. La lenteur à l'état pur. Moi, putain, même pas. Je fais 30, 13, 30, 13, 30.
Attention, est-ce qu'on va avoir un 30? Ah, moins 30 peut-être, c'est possible. Non, même moins, je pense moins 1 là. Fais chier. Là, il y a un nouveau Yel qui est tombé sur le niveau, niveau 10. Le mec, il a sub 1.32. Ça va être super chaud à battre. J'ai essayé de le battre un peu, bah, j'ai pas réussi. Je suis genre 4ème dessus. Mais ouais, c'est genre trop chiant, quoi. Ce genre de niveau, putain, je sais pas à quoi ça tient de battre les autres, quoi. C'est comme ce niveau, hein, être numéro 1 sur ce niveau, mais c'est le cancer, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est random, quoi, c'est trop ouf. Hein. Si top 1 partout, c'est chaud quand même. En plus, faut battre mon niveau 21, mec. Hein. Et ouais, c'est moi qui l'ai. Et il est pas mal du tout. Je suis mort. Waouh. Ce qui est beau, c'est que j'y vais quand même. C'est vrai que tu l'as pris sur le niveau 8, le top 1 Scavenger. Excuse-moi, Xerxes. Enfin oui, d'abord Scavenger, ensuite Xerxes. Mais tu lui as pris quoi, Scavenger? Quel joueur n'empêche. Oh là là, putain, j'aime bien le faire bien ça. Oh, ce niveau, je peux passer dans le vert. Là. Là, si je le chie pas celui-là, easy vert. Bon allez, c'est déjà ça, on se motive comme on peut. Salut Florochi. Mais ça va, le mec qui meurt une fois sur deux là. Bon, ça, je suis d'accord avec toi que les autres niveaux sont moins optiques, oui et non. Il y a des niveaux vraiment tu vas galérer, je pense. Genre le niveau 13, il est grave optique. Le niveau 17, il est grave optique. Enfin, surtout à partir du 14, je veux dire, il n'y a pas tant d'optique que ça à faire. C'est beaucoup de bounce, quoi, donc t'as pas vraiment le choix, quoi. Sauf le niveau 17, et genre Killa, il a vraiment fait un truc de ouf dessus. Après, s'il l'a fait, c'est que c'est battable, je veux dire, voilà. Mais ouais, il a géré quand même.
Genre, si je faisais ces IL strats dans mon PB, je pourrais me prendre genre 4 secondes, quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, on peut au moins galérer. Non, mais ça, c'est sûr. Genre, si quelqu'un le fait une fois, tu peux le faire deux fois. Ouais, moi les niveaux je les ai bossés selon mes lacunes. En fait je les ai fait dans l'ordre à la base, mais genre je cherchais juste à avoir une bonne médaille, je m'en foutais du classement. Après ça s'est fait au fur et à mesure quoi.
cherchais à faire des bons temps, donc automatiquement j'ai eu des bons classements. Hein. Mais j'ai encore des classements de merde sur certains niveaux. Hein. Il y a quelques niveaux, je suis pas du tout top 10. Hein. Proxima. Mais je fais vraiment des fins de merde là sur le 9. Ouais, j'ai pu faire pourquoi je suis parti, t'inquiète. Je vais complètement zapper, c'était prévu. Hein.
Bon, 7 secondes de mieux qu'avant. On a peut-être bien fait de reset tout compte fait. Kappa, kappa. Et j'ai quand même pas fait la strat sur le 13 là, entre la scie et le machin. Je sais pas. J'avais envie de la finir cette run. Ah, j'ai merdé sur un wagon là, j'ai voulu partir trop tôt, il manquait littéralement une goutte, mais bon. Peut-être gagner une seconde, au pire j'en gagne pas, tant pis. Je pourrais en gagner deux facilement là.
J'ai toujours pas compris pourquoi ça arrivait. Et ça me casse bien les couilles. Heureusement, heureusement, c'est que 3 secondes. Ça me saoule. Putain, la dernière fois, j'ai niqué une reine exactement comme ça, mec, j'ai rage quit. Genre, c'est la pire mort du monde, ça. Ok, never mind. Pas du tout ce que j'ai fait.
j'ai envie de bébé, j'ai envie de bébé, j'ai envie de bébé. Salut Smoky. Putain, s'il vous plaît, s'il vous plaît, celle-là, là, je veux la faire. Putain, j'en ai trop choc. J'ai choc beaucoup trop de run. J'ai assez de karma pour la réussir, là, c'est pas possible. J'ai perdu 2 secondes gratuites. Et je m'en bats les couilles. Oh ouais! Oh putain! Enfin! Enfin le deathless! Enfin le sub 40! Let's go! Yes.